Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui la vidéo ça va être sur Bleach. Et oui, j'ai envie d'en parler. Donc il y en a qui connaissent déjà Bleach et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas Bleach. Tout d'abord, Bleach c'est quoi? Et bah Bleach, c'est ça. Bleach est un manga réalisé du coup par Tite Kubo qui s'est franchement bien donné sur ce manga, malheureusement qui n'a pas eu franchement une réelle fin réussite, on va dire ça comme ça. Tout du moins dans l'animé, à partir de Aizen, après ça a vraiment décliné sur les Fullbringer, etc. qui était franchement pas terrible, mais très honnêtement jusqu'à Aizen, franchement pff, les musiques, le scénario, le personnage d'Ichigo, de Rukia, de Renji, etc. franchement c'était vraiment une très bonne époque, ça a été franchement un excellent animé que je recommande vraiment, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie d'en parler. En ce moment c'est surtout Boruto, je vous ai dit que j'allais passer à d'autres animés. Aujourd'hui je vous en présente un qui s'appelle Bleach pour ceux qui ne connaissent pas. Aujourd'hui Bleach est passé complètement à la trappe car il y a maintenant de nouveaux animés qui sont arrivés qui sont franchement très très bons. Nanatsu no Taizai, Shingeki no Kyojin ou encore My Hero Academia, One Piece, Dragon Ball Super, etc. etc. Il y a vraiment beaucoup d'animés qui sont arrivés maintenant en Europe qui sont de plus en plus suivis et franchement Bleach est maintenant passé à la trappe. Tous ceux qui ne connaissent pas Bleach, regardez-le, vraiment regardez-le parce que vous ratez quelque chose. Alors faut savoir que Bleach a été quand même fait il y a quelques années en arrière, donc forcément les dessins des premiers épisodes ne sont pas les mêmes que les derniers, mais je vous invite vraiment à le suivre car vous allez vraiment kiffer certains personnages comme Kenpachi, comme Byakuya, comme plein d'autres personnages, Ulquiorra, etc. Et franchement vous allez voir que c'est franchement un putain d'anime. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez pu découvrir un animé grâce à moi. Et pour ceux qui, du coup, ont déjà découvert Bleach, que ça a pu leur rappeler un petit peu quelques petits souvenirs. Et franchement, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. À très bientôt. Ciao, ciao!